Mais la vie protestant, lui dit protestant, pas fait politique. Si mon de bien pas fait politique, c'est normal, il y a des éléments de basse étage. Éléments que la nature a vomi par illusion. Si mon ça y qui vient dans tel pays, qui mène le pays à côté de lui. Mais cette fois, si nous les chrétiens évangéliques, nous ne pas porter valise mon encore. Nous ne pas mourir bouche encore. Cette fois, si nous disons, nous parler. Il n'y a pas rien qu'à faire dans le pays encore pour ne pas gagner opinion. Merci. Ça veut dire que nous avons un groupe protestant religieux et chrétien qui a rentré dans la politique, je dis. Et puisque nous connaissons les gens qui sont religieux plus par rapport avec l'autre monde, et nous avons un résultat dans la question de l'élection qui est pour venir par rapport avec Jean Saponier dans la société. Merci, mon frère, que c'est à la fois un souhait et une suggestion que vous faites. Félicitons. Dans le moment que nous parlons là, un pays qui a eu une expérience dans le pays, bah, nous, c'est l'Ukraine. Côté vraiment qui a corruption, gabji, problème, et bien côté un groupe monde qui réclame de la communauté chrétienne dans le pays, il a dit valeur morale, c'est nous cultiver, c'est nous guerrer, et bien il a rentré, il a participé dans le pouvoir là, pour être capable de porter une solution. Je dis au Congo tout, oui, donc nous m'apprécions la suggestion et j'espère qu'on fait nous. Oui, pour que au moins le pays ça capable de voir l'autre visage dans la politique, dans l'économie, dans le social, pour que le bagage soit capable de faire avec de justice, parce que bon Dieu, nous sommes Dieu de justice. D'abord, justement, ajoutons un bagage. Comment comprendre que plus l'école dans le pays, c'est l'école protestante, plus l'université dans le pays, c'est l'école protestante. Oui, on va réfléchir. Plus l'hôpital en un pays, c'est l'hôpital protestant. Et puis pour nous quitter, nous c'est le monde qui n'a pas rien, qui n'a pas ni avenir, ni pas, ni devenir dans un pays. Et puis c'est le cas qui nous fait gagote. C'est une bonne question que tu as posée tout à l'heure. Sur l'État qui est les bandits qui fait. Et, comment? Trêve. Qui fait trêve avec bandits. Oui. Écoutez, monsieur, attendez, bon bagage. Si vous avez un travail pour moi, si vous avez un travail pour moi, et mon chef de travail là, je vais aller n'importe où. C'est mon bon faire un travail là. Merci. Ça veut dire, si on a détaillé, tout le monde est tout le monde Écoutez, il ne faut pas oublier ça. Président dit 80% kidnapping, c'est bagage politique. Mais politique là, elle pas t'expliquer, il y a bon côté, il y a bon côté. Tout à fait. Donc pour lié là, tout le monde est clair, tout le monde qui ca ouais est clair. Nous même secteur protestant, nous appuyer référendum non. Quelle imposture, mon ami. Ah, mon frère, ou bien avec nous, ouais tout le monde là, tout le monde qui là dans l'école, tout le monde là. À l'école. Tout le monde qui là, c'est des monde que pays a gain respect pour. C'est pas bon moi. C'est ancien directeur général Radio Lumière. Il fait 25 ans de Radio Lumière. Gabriel dans nos jeunes, par contre dans l'émission de Bonne Haïti Plus. OK. Par contre c'est comme moi-même équipe ça là. Non mon cher, affaire référendum. Non mon cher. On peut en récapituler s'il vous plaît. Non, c'est ce qu'on peut faire. On parle des objectifs côté de deux points. C'est un plaisir pour que nous capables gagner nos matériaux dans le cadre de ensemble d'activités ça que nous mêmes dans la communauté protestante là nous à entreprendre pour nous être capable de voir comment retirer pays ça en bas ça nous tous nous d'accord avec nous que pays d'Haïti ça fait longtemps l'a traversé une crise chronique, une crise sociale, crise politique, une crise économique et durant ces 10 dernières années, eh bien, crise là, aiguë, et particulièrement 3 dernières années, nous sommes venus à ça. Mais nous, le pays d'Haïti, l'a fait face avec massacre, viol, vol, kidnapping. Donc, vraiment, nous arrivons dans un moment, personne ne par contre qui s'apprête. Mais ce qui est plus triste dans tout ça, c'est que l'autorité, nous, nous sommes pas capables de faire rien et tout le monde a brûlé. Et comme nous, c'est arrivé déjà dans l'histoire de l'humanité, nous venons de la caille d'Israël avec le roi Josaphat, les rois passent en crise. Ils cherchent bon Dieu, nous venons de ça dans l'histoire des États-Unis. Eh bien, présence nous la matière, nous invitons la presse, c'est pour nous informer. Tout peuple haïtien en général, et l'Église, peuple chrétien en particulier, invitez-vous
à 3 journées nationales des jeûnes et des prières pour implorer la grâce de Dieu, la délivrance de Dieu sur Haïti, suivant Sandaline, Ézéchiel 14, verset 14, côté bon Dieu dit, si un pays menacé, un bégayé monde d'un coup, Job, Daniel et autres qui cherchent facile à délivrer le pays. Nous venons là, nous sommes capables d'inviter le peuple haïtien et le peuple chrétien dans la prière le 16, samedi 15, dimanche 16 et lundi 17. Et le 17, là, nous avons une activité spéciale pour nous faire place à Pasteur Divernard qui va apporter plus de précision sur l'ensemble d'activités qui ont caractérisé ces 3 journées nationales de jeûne et de prière pour la délivrance d'Haïti. Bernard Luvio. Et moi, salut la presse, parler, écrit et téléviser la presse en ligne. Je dis à nos. Face la presse, on invite eux à vulgariser pour nous ces 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne et qui a commencé, donc on passe au destiné sur 15, 16, 17. C'est 3 jours de jeûne national. Il faut que nous invitons le pays à être debout pendant ces 3 jours. Et le 17, à 11h, dans le carrefour de résistance, à midi, à bon cri de délivrance, à midi, à bon cri, côté nous les chrétiens évangéliques, haïtiens de bonne volonté, qu'ils soient catholiques ou venez avec nous, pour Christ a pété. Parce que nous croyons, pays ça, ça qui passe dans le pays ça, diabolique. Même gens voient avoir écoute moi sous vous, y avoir écoute tout sous vous, y avoir bah mon nom est monté kidnapping, c'est même esprit, c'est même esprit kidnapping. Et nous croyons, c'est pas seulement un carrefour qui vient Satan, qui est diable. Moi crois dans le palais national, qui est diable. Moi crois dans le ministère, qui est diable. Moi crois dans la direction générale, qui est diable. Moi crois dans le CEPA, qui est diable. Moi, je crois dans le bureau qui a fait 4 des malogues là, il y a un diable. Je crois dans la police, il y a un diable. Christ a le bras là, son cri global, son cri de délivrance. Et, c'est pas première dans l'histoire. L'Angleterre, c'est une grande révolution qui est faite avec John Wesley en Angleterre. En Écosse, c'est une grande révolution qui est faite. Partout à travers le monde, bon, c'est le pays qui servit avec la prière pour délivrer le pays. Et là, on dit 16, Kafou a rejoint nous. Kafou a rejoint nous. Kafou a ensemble avec nous côté où il est. Côté où il est. Par contre, c'est nous inviter tout le monde, tout le monde, toute l'église qui te porte sur l'ouvrir pendant ces 3 jours. Côté pour nous implorer, côté pour nous relever pour Dieu. Parce que nous essayons plusieurs bagailles déjà. Nous, Lucifer, est toujours là. Quand Lucifer est pour bon Dieu, t'es précipité en bas. Pendant ces 3 jours, pendant ces 3 jours, nous allons prier, bon Dieu, pour bon Dieu débarrasser nous de tout diable qui est dans le pays. La passé pasteur Achille, lui même qui a pas plus de détails. Moi, saluer toute population haïtienne et la communauté protestante en particulier. Nous, là, matin, devant caméra la presse, pour nous inviter toute nation dans une grande activité spirituelle ça, qui visait la délivrance d'Haïti. Nous avons demandé aux leaders. Peuple bon Dieu, pour yon quitter toute porte l'église ouvrie pendant ces 3 jours et pour yon engager yon avec nous dans la bataille spirituelle ça, qui visait délivrance pays. Nous tous conscients que ça a passé dans le pays pas humain. En humain, pas qu'à faire ça a passé là.
nous comprendre en tant que chrétien évangélique que bataille là il doit mener sur l'autre front qui sont front spirituel. Et c'est dans cas ça les tout peuple là qui conscient que situation là dedans pas bon, lui crier devant bon Dieu, certainement bon Dieu a porté pour lui la délivrance. Et même ça qui t'est passé pour l'autre nation, là où t'es dans trahi, là où t'es dans détresse, là où t'es en bas oppression, là où t'es en bas calamité, eh bien même bon Dieu t'est délivré nation ça yo, li pas changé et certainement li prêt pour le délivrer Haïti. N'a demandé tout pays ya, tout département yo sans manquer youn pour nous engager nous dans bataille ça et comme ça n'a chanté après délivrance Haïti. N'a chanté, c'est l'Éternel qui est Dieu. Merci. Tu as sorti depuis dans plusieurs grandes organisations dans le secteur qui prend conscience et qui ouais pays a pas marché, pays a pas gouverné, pays a vraiment campé en place. Donc il a financé une là dedans, mais nous pas faire fond paquet et nous pas le porter au bas l'Éternel pour vivre dans le cri de délivrance qu'a fait et le d'ici de vue à midi. Dans le Carrefour Résistance pour Port-au-Prince. Mais il y a l'autre Carrefour dans la province. Il y a des pasteurs, des ligues pasteurs qui vont faire des cris ensemble avec nous. Oui, moi, je crois que la réponse est claire parce que le kidnapping, c'est un élément problème. Non. C'est une délivrance qu'on a cherché. Donc, son délivrance globale, le kidnapping, massacre, viol, tout ça. C'est ça, nous allons crier devant vos yeux. Il est capable de dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, l'Éternel. Je dis à qui ça qui explique et puis arriver dans niveau ça. Moi-même, moi venu pour me parler exactement. C'est pasteur Wismon Jeune, président RENAPA, du réseau national de pasteurs pour le développement durable et président de la mission Église de Dieu, Union des chrétiens. Moi venu pour me parler de l'aspect prophétique et troisième jour de jeûne ça, que nous-mêmes dans secteur protestant, et mettez pour nous faire. Le 15, le 16 dans l'église, tout porte exode ouvri, et le 17 à 11h, dans le Carrefour Résistance, dans le Carrefour Aéroport, en bas, pour que nous prions et pour nous faire un cri à midi tapant, et quel que soit sous machine ou pour la caillou, ou après un castrol, quel que soit bagala, ou à frapper, pour que nous disions l'Éternel, nous ne pas capables. Encore, nous pas capable encore. Et nous bouquons. Et m'a dit nous ça clair. Et ça me l'a dit prophétique de toi je ça. Quel que soit monde qui a fait peuple haïtien ça souffrir, qui a fait peuple haïtien ça prendre la fuite, que le pouvoir, que l'opposition, que le neutre, depuis ces monde qui trempé droit yo dans souffrance peuple haïtien, l'Éternel pral main main yo. L'Éternel pral touche yo, l'Éternel pral frappe yo. Seulement si yo prend conscience et yo dit que yo repenti, yo pas fait peuple ça souffrir encore parce que peuple bon Dieu a pas capable encore n'a chercher délivrance nous nan men l'Éternel. Nous connaissons l'Éternel les amis qui capable ba nous délivrance nous. Mais pas oublier m'dou, quel que soit moun qui trempe men yo yon façon quelconque non douleur peuple ça, l'Éternel pral main mon yo après cri de délivrance ça. Merci. Te gagné peuple Israël là qui a menté menacé pour ta détruire honnête. Son peuple haïtien menacé de destruction. Eh bien Mardoché Esther, yo te fait 3 jours de jeûne à prier mon Dieu. Là yo te fini c'est là mon te mourir oui. Ça veut dire grand pile bagage qui pral arriver là d'ailleurs pasteur Wismon sotil. Il dit à la fin des 3 journées, ça, on m'étonne parce que bon Dieu lui dit invoquez-moi. Dans le jour de détresse, il va réagir. Quel que soit le monde qui a fait le peuple ça souffrir, après cri de délivrance dans lundi 17, dans le Carrefour Résistance, l'Éternel va le manger.